Bonjour, mon nom est Jean-François Laroche. Je suis étudiant au Centre de formation professionnelle des riverains. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo sur les ajustements de la caméra HD. Donc, bon visionnement. Donc, pour optimiser votre image pour votre vidéo, on a quelques options sur la caméra qui sont assez intéressantes. Ces options-là, on va les afficher à l'aide du bouton du centre. Et ici, il va nous apparaître un petit menu en rond. Là, je vais juste rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe à l'écran. Donc, voici. Ici, vous avez le white balance. Ici, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Vous pèsez sur la flèche d'en haut. Et vous allez, moi je vais peser vers la gauche pour vous montrer la différence. Donc vous regardez, les couleurs sont un petit peu moins belles, tout dépendant de votre éclairage, de votre place, de votre lieu de travail. Donc là je l'ai remis à normal. Pour retourner, on fait back avec la flèche du bas. Ensuite, pour aller à l'iris, on va avec la flèche de gauche et on pèse dessus. Et là on arrive à l'iris. On a un iris plus, un iris moins. Donc, rendu là, je vais juste peser sur iris moins. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va laisser rentrer moins de lumière dans l'objectif de la caméra. Donc là, je baisse la luminosité et je vais ensuite la remonter. Et voilà. Donc, pour faire back, encore la flèche du bas. Ensuite, on a le short. On va aller à droite avec la flèche de droite. On a encore un plus moins. Ça, ce que ça fait, c'est que ça change ici le petit numéro. Ça va, là, il y a 1 pour 60. Et on va l'augmenter à 1%, 1% 20. Et ainsi de suite. Là, je vais l'augmenter assez haut, là. Ça, ce que ça fait, c'est le nombre de pixels qu'il va avoir dans votre image. Je vais l'augmenter beaucoup, là, pour que vous puissiez voir ce que ça va faire, là. Voilà, on voit beaucoup les pixels qui se promènent dans l'écran. Donc, je vais la redescendre à 1 pour 60. L'image est beaucoup plus belle. Donc, pour faire back, encore la flèche du bas. Et on a une deuxième page de menu. Ici à gauche, c'est le fade-on. Ça, ce que ça fait, c'est quand vous commencez à enregistrer, il va y avoir un fade qui va se faire. Votre écran va être noir et après 3 secondes, ça va être votre image qui va apparaître. Ensuite, on a une autre option de luminosité, de black light compensation. Ça, ce que ça va faire, c'est que dans une pièce avec moins de luminosité, il va en ajouter. La caméra va en ajouter d'elle-même. Donc, moi, je vais le loader, donc on repère sur la flèche. Et pour quitter ce menu, on fait le bouton du centre. Et voilà. Ensuite, la prochaine étape, je vais vous montrer comment formater la caméra. Donc, pour formater votre carte flash, vous devez appuyer sur le menu en bas des flèches à gauche. Donc, je vais appuyer et il vous donne ce menu-là. Pour la formater, vous devez aller dans Setup. Là, vous descendez, vous naviguez encore avec vos flèches, là, vos quatre flèches. Puis, je vais appuyer sur le bouton du centre pour arriver à Format Card. Pour formater, vous appuyez encore au centre. Vous montez votre flèche vers Yes et vous appuyez encore au centre. Êtes-vous sûr de vouloir formater votre carte? On va dire oui. Et voilà. Là, il est en train de formater, donc personne ne va avoir accès à vos vidéos que vous venez de tourner. Pour quitter ce menu, vous devez ensuite appuyer sur Menu. Et voilà, vous revenez à votre image de départ.